sous-sénateur Gracia Delvac te pose une question intéressante. Question, lui dit, si est-ce que Mounio, si me fait 2 ans, je ne paye pas impôt, je me paye, qui ça la loi dit? C'est sa question, sénateur Delva. Je vous réponds rapidement à la lumière de la loi. Maintenant, article 106, je prends 101 d'abord. 101, loi septembre, c'est décret du 26 septembre 2017 qui portait sous affaire déclaration définitive d'impôt sur le revenu sur base individuelle. Lydie, va-t-il? On va avancer? Non. Monsieur, si nous avons besoin de connaître un avocat, nous avons besoin de connaître. Article 101 dit président. Nous avons tout prêt attention parce que moi, ça fait m'a suivre nous avec attention. C'est parce que c'est nous qui faisons loi. Mais après quoi, nous lisons là. Lorsque loi. Lorsque loi est incomplète, loi désuète, c'est nous pour faire loi. Pour faire loi. Faut nous faire loi. Article 101 dit tout contribuable qui, dans le délai de la loi, n'aura pas fait parvenir au bureau des contributions le plus proche sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu individuel, ou qui aura refusé de fournir des éclaircissements pour le contrôle de sa déclaration, sera passible d'une amende de 1000 goudes à 5000 goudes. Ça veut dire, yon moun qui pat fait déclaration en temps utile, sénateur Delva, la loi dit, la loi fiscale dit, y a chargé lyon amende allant de 1000 goudes à 5000 goudes. Pendant que article 103 a vini, li dit tout retard que moun nan te accusé dans déclaration lon, pral permettre administrateur fiscal là à charger lyon amende allant de 25% à 100% sans compter supplément que le capable charger suivant gravité car. Non, même loi qui c'est article 106. Il dit en cas d'absence de déclaration d'impôt, en cas d'erreur, en cas d'omission, l'administration générale des contributions peut réclamer dans un délai ne dépassant pas 5 ans l'intégralité ou le supplément d'impôt dû à partir de l'exercice pour lequel l'impôt aurait dû être établi compte tenu des surtaxes encourues sans préjudice des amendes selon le cas. Là, je vous lis la loi. Et puisque c'est nous qui faisons la loi, m'paroué pour qui raison nous obligé faire 3 heures de temps, nous à discuter sur une question qui est réglée par la loi, des sanctions qui sont appliquées par la loi, alors que tout le monde qui l'a, c'est pas que vous n'avez pas fait déclaration, mais c'est parce que ou bien tu as une erreur, ou bien tu as une omission, ou bien tu as une sous-évaluation, que le droit fiscal est déjà réglé. Maintenant, nous avons tout le problème que nous voulons régler. Qui a un problème politique? Nous mettons un problème politique à terre pour nous régler. Mais pour ça concerne les droits fiscaux là, les finis, les réglés. Monsieur le président, monsieur le président. Maintenant, moi-même, président, monsieur le président. Non seulement, même si on. Collègue sénatrice, pas qu'à dire problème politique. Est-ce que nous pas une raison sur ce point? Madame Jean me dit qu'il y a un problème politique avec Seyon, parce que nous sommes même famille, il y a un droit de trahison. Nous parlons de ça dans le vote là. Oui. Alors, président, même lorsque vous avez 4 sénateurs qui ont voté contre Seyon, c'est stratégique comme ça.
M'assure 400% sur cette stratégie. Comment tu as dit ça? Pour nous faire nous lier, pour nous dire nous venons voter pour lui, les avertis. Non, président, président, je continue, président, je continue, président, je continue, président, nous ne pouvons pas trahir nous, c'est ça nous chanter. Nous ne pouvons pas trahir nous, et ça nous dit, Président, monsieur, s'il vous plaît. Président, ma bon place son mot. Donc, okay. Vous n'avez pas. Laissez-le terminer. L'isminition à Villa. N'est-ce que ministre là, caché. S'il vous plaît. N'est-ce que caché des ministres pour le dire. Question, sénateur. Oui, originaire, c'est un. N'était bluff lié. Non. Président, sénateur. Ça va passer. Mokoba, la révision en direct, il va passer. Ah, ben, nous ne pas quitter le passé. Okay, nous sommes des sénateurs de l'opposition. Nous opposons à un régime. Nous ne pas quitter ça à passer. Très bien. Nous décidons pour les têtes de souli. Nous ne quitter le passé. Très bien. Pas de problème. Je conclue, président. Non, nous ne pouvons pas continuer. Non, je conclue. L'infini président m'a intervenu. Président, nous ne pouvons pas président. Président, nous ne pouvons pas. Nous tellement voulu à l'aise à collègues. Si on dit me lever, moi, on va me lever. Non, pas de lever. Nous ne pouvons pas lever. Et automatiquement, PHTK est fin choisi. Ils sont premier ministre PHTK. Sans pas nous, pas nos PHTK. Sans pas nous, pas nos PHTK. Très bien, le problème n'est pas là. La presse entrée qui est débat. Sans pas nous, pas nos PHTK. Collègue, débat. Ok, très bien. Très bien, s'il vous plaît. Sénateur, non, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Président. Et nous clair, président, nous toujours dit nous-mêmes, nous parlons logique, premier ministre. Très bien, pas de problème. Ça, président. Très bien, pas de problème. Ça veut dire, si nous venons là, président, bonne note est prise. Nous venons pour nous obéir avec mission. Nation informée, pas de problème. Ça veut dire, nous pas venir dans la question monter gouvernement. Très bien, nous pas de problème. Démarche, la question gouvernement, parce que ça qui a passé actuellement en d'un pays. Oui, mais on est venu déjà, sénateur. Le gouvernement a résolu le problème. Ah, bah, et ça fait que nous donnons pour intervenir après. Président. Et puis diminuer volume micro l'autre sénateur. C'est voix qui vous passe en premier. Merci. Sénateur, bon plan, président. Fais un mot. Merci. Fais un point. Président, nous croyons là son assemblée politique. Nation a gardé dans pile jeune captadé. Merci. Opposition, son choix que lié. Et dans l'introduction, je me dis, opposition son choix. Et choix noir, ils sont choix tactique. Nous choisissons pour tes revendications peuple. Toute tribune qui a discussion, qui a fait, qui a rapport à la loi, qui a rapport à la population de droit là. Et avant même d'intervenir tout à l'heure, je me dis, je suis pas venu dans le Sénat, mais pour une séance de si grande importance, moi je choisis de faire passer point de vue. Henri Séan, son connaissance, Madel Simdil m'a vu dans le Sénat, m'a vu défendre. Tout ministre qu'il a, président, m'a eu des relations personnelles, de connaissances, m'a même des amis. Mais son gouvernement, PHTK, moi, m'a face régime Jovenel Moïse. M'a mené une bataille, mon côté population, pour le système là tomber. Parce que même si on nomme 20 000 ministres là, si le système qu'il a pas tombé,
ministre a passé pays a prêté dans sa culière. Et c'est point de vue ça, moi viens défendre là, c'est bon. Et président, permettre conclu, Garcia. S'il vous plaît, laissez-le conclure. Laissez-le conclure. Peu importe. Sénateur Garcia, rassurez-vous s'il vous plaît. Sénateur Bobo, conclure. Sénateur Don Cato. Sénateur Chérami, s'il vous plaît. Non, merci. Peu importe. Bon, le bureau va conclure. Nous c'est des sénateurs en face, peu importe. Et président. S'il vous plaît. Ah bah vous aurez un fait. Sénateur Cato, sénateur Chérami, sénateur Chérami, rassez-vous, sénateur. Non, clair. Sénateur Chérami, rassez-vous. Sénateur Chérami, président Sénat, dit où Chita. Sénateur, merci bien. M'a fini, président. Sénateur Beauplan, conclue, s'il vous plaît. Président, m'a fini. M'a fini. Président. Et quoi, président? À l'ajouter. Kedler, ok. Président. S'il vous plaît, sénateur Kedler, sénateur Foucan, s'il vous plaît, de grâce. Pour population captée de là, président. Nous même quatre sénateurs, nous n'avons pas aucun couloir qui a négocié le pouvoir. Nous n'avons aucun ministre ni monde dans le gouvernement. Et moi, sénateur Beauplan, et je regrette ça de ma relation que j'ai avec Jean Risséan. De mon bagage des signatures, Jovenel Moïse en balle m'a voté contre. Depuis que signatures, Jovenel Moïse m'a voté contre. Merci, sénateur. Bien, le bureau a décidé. Président. Merci. Président. Rassez-vous. Non. Président. Non, personne d'autre. Le bureau, le président décide que à cette phase des débats, président, bureau, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est trop tard, probablement. Président, coupez-moi la parole. Ah ouais, ah c'est vrai. Eh ben, il faut aller maintenant. Il faut aller très très vite, sénateur La Tortue. Faites proposition, non. Rassurez-vous, sénateur, les sénateurs Beauplan et cher ami, je parle pour. Avec ça, président. Sénateur, laissez-le conclure. On nous conclut, sénateur. On permet nous avancer, collègues. Sénateur Nenel, rassez-vous. Sénateur La Tortue. Président. Proposition. Discussion, l'état fait, mais nous retournons à la question légale là. Parce que je dis à Sénat, nous ne pouvons faire n'importe qui bagaille. Président. Nous avons une liste que nous demandons, ou à dire liste là, qui est son bagage secret, confidentiel. Combien de ministres qui étaient payés exactement que le cabinet a fini sorti? Le directeur DGI a dit qu'il est rentré des recettes non négligeables. Mon frère, c'est la Tibonie qui voulait me laver. Et gros de l'autre, même là. Et pas toi, Rivière, Fleuve à Tibonie. Président, je demande la parole, président. Président. Président, même si nous, n'ayons pas parlé tout à l'heure, m'a dit que ce soit sénateur, sénateur autre. M'a fait proposition parce que l'air dit fait redressement en matière fiscale, il y a une amende. Mais tout avocat qu'on est là à tout, que l'amende, c'est une peine pécuniaire en matière civile. Donc son peine liée. Donc ça veut dire que je dis, il y pas une peine afflictive. J'ai dit une peine pécuniaire. Où t'en dis? Mais c'est une peine. Oui, bien entendu, président. Donc ça veut dire, président, depuis que la carrière est en peine, bon problème. Et c'est peut-être ça, président. Nous dit, président, deux bagailles. Et c'est pour nous demander ça. Et moi, j'ai un droit à elle. Enfin, je te présente des propositions. Moi, j'ai un droit à elle. Mais moi, président, ou n'est pas bon. La liste des ministres. Mettez tout dossier disponible là. Président, il n'y a aucune liste là. Aucune. Non, toute la liste est complète. Non, pas aucune liste de ministres qui dans le pays, pas ça. Il y a un certificat qui l'a. Un certificat, pas qu'à faire que nous-mêmes nous décider. Motion d'ordre, président. Non, plus de motion. C'est fini. Motion d'ordre, président. Non, c'est fini, sénateur. Président, motion d'ordre. S'il vous plaît, c'est fini. Président, le bureau a décidé. Président.
Il n'y a pas fait comme ça, président. Non, mais écoutez, sénateur, cher ami, vous avez été très correct envers vous pendant toute séance. Non, mais même intervention très spéciale, je vais me faire dérogation pour me la parole. Sous pour dernier, m'oblige à bailler sénateur Rick. Président. Président. C'est ça le problème. Moi t'as aimé. Moi t'as aimé. Moi t'as aimé, président, pour nous prendre 10 minutes et pour nous demander directeur de GIA, comme nous avons été qu'on a là dans la nuit. Voyez l'histoire là pour nous connaître, s'il vous plaît. Tant pis, s'il vous plaît. Très bien. De toute façon, on proposition comme ça. On proposition d'office. À règlement. Ok, sur respect. Donc on est déjà au fait. D'office. Oui. Très bien. Oui. Sénateur Ricard. Président. Moi, demandé. Même Jacques Chambre député, me demandé pour décharge. Rinaldo Bourinet, Woody Ali et puis Joubert en grand. Dans le papier, au passé, je me gagne des charges. Rinaldo et Woody. Ça qui passe pour Joubert en grand. Est-ce que pas de charges? La commission est capable de précision. Ou est encore comptable de deniers publics? Bien sûr, là, en quel sénateur. Qu'on est très bien, il y a un argument pour combattre, bien sûr, il refuse à y consulter, bien sûr. Et si on a regardé le rapport, la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Non, vous n'avez pas la parole, mon frère. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-le terminer, c'est à toi. Si nous regardons, si on a consulté, bien sûr, il y a un rapport, la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, te voyez pour commission. Non, rapport ça. La Cour supérieure des comptes dit nous, là où mon directeur général, à moins qu'il ait eu un programme, l'étape dirigée, il n'est pas ordonnateur et ni tout, il n'est pas comptable de l'église publique. Monsieur Sacré de Joubert en grand, qui est directeur général, et je vais dire ça, le ministre intérieur a présenté des charges là, il n'a pas présenté des charges comme directeur général, non. C'est comme magistrat, comme bien maire, entendu. Il dépensait, il présentait des charges. Woody Ali qui présentait des charges là, comme directeur général. Il très élégant, il présentait des charges, mais il n'a pas forcément présenté des charges. Parce qu'il n'est pas trop ordonnateur, il n'est pas de comptable du la République. C'est ça la Cour supérieure des comptes, vous voyez, dit non. Je dis à la, tout président, tout est-ce que vous avez une correspondance pour des comptes pour Joubert en grand? Nous ne pouvons pas finir, mon frère. Faut-moi correspondance là. Laissez-le terminer. Nous ne pouvons pas finir. C'est pas consulter bien sûr là, mais là, moi je viens avec tout là. Tout collègue, on est venu à bien sûr. Sénateur Ricard, quand même, laissez-le terminer. Tout comprendre, c'est dilatoire qu'a fait. Tout le monde comprend, c'est politique générale, Premier ministre, là, une série de monde qui parle de river fête là, je dis à là. Ça fait 5 heures de temps. Collègue, vous êtes du côté de l'exécutif ou du législatif? On n'a pas le droit de questionner. S'il vous plaît, sénateur. Mais bien sûr là. Sénateur Ricard. Président, s'il vous plaît. Monsieur le mandé. Sénateur Ricard. Monsieur le mandé pour commission. Passez-nous. Correspondance coup des comptes là concernant Joubert en grand qui t'a géré l'INCA. Très bien. Merci beaucoup. Sénateur Ricard, les dossiers sont là. Le rapporteur de la commission est là. Perdons titan pour le rapporteur commission et pour faire vérification. Et puis comme ça, des visous. Président, il y a un jour, il y a un jour. Il y a un jour, président. Il y a un jour, président. Président. Nous ne pouvons pas dépasser nous des principes. Président. Si nous n'étions en fonction, sénateur. Il toujours été en fonction. Merci, président. Il toujours ordonnateur. Président, commission doit travailler. On va continuer et non, on va continuer. Collègue là. Très bien. Commission doit travailler. Sénateur la torture. Vous finissez. Pas vrai? Oui, allez-y, sénateur la torture. Non mais Michel Tchou pièce là, oui, collègue. Non. Allez-y, sénateur, la tortue. Merci, président. Président, on va le faire proposition, mais on parole, collègue, au long du dit. L'on a regretté là, on a exercé le rôle de contrôle, dit que nous empêchons arriver dans la déclaration politique là. Collègue, au long du dit, c'est. Il n'y a pas à jouer en faveur du Premier ministre. Parce que nous ne pouvons pas parler de Premier ministre là. Nous parlons de ministre.
Et si on est un sénateur, il y a un argument pour le défendre position, on ne peut pas dire ça. Parce que justement, nous avons une étape que nous mettons le travail commission en doute, parce qu'il y a des papiers que nous n'avons pas gagnés. Et c'est ça que nous avons demandé là, nous pouvons passer dans l'autre étape. Et ça nous a demandé à son droit que chaque sénateur gagne. Et leur font travail en général. Ils ont demandé explication, c'est pas explication sous lui. Et je crois que normalement, la commission est supposée râler le dossier et bal papier. Et je pense que le travail a fini. Président, nous faisons proposition parce que nous croyons que je dis à un gros problème. Et le problème là, il est en question de redevance fiscale et il est en question de décharge. Et il y a 7 sénateurs qui proposaient. Ceci, les sénateurs sous-signés proposent à l'Assemblée de rejeter tous les ministres n'ayant pas accompli à temps leur redevance fiscale et tous ceux n'ayant pas obtenu leur décharge selon la procédure constitutionnelle. Suivent les sénateurs Latortue, Patrice Dumont, Ricard Pierre, sénateur Beauplan, Nenel Cassi, Antonio Cherami et sénateur Salomon.